Hello les petits chats, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Salut, salut. Je suis avec Stacy, ma super voisine, et c'est la première fois aujourd'hui qu'elle fait du slime. Bah oui, elle était jalouse, hein. J'ai fait du slime avec son frère. Il était temps que je fasse du slime avec elle, et en plus son tout premier. Donc j'ai pris plein de nouvelles choses, c'est des slimes que j'ai jamais fait. Il va y en avoir un noir et un blanc, donc ça va être du slime assez fun. On a pris des petites bouboules multicolores. Trop mignonnes. Pour Stacy. Et moi, j'ai des petites bouboules polystyrène. Ça va être pas mal, je pense. Hein. Donc, je pense qu'on va bien s'éclater. Alors, après, est-ce qu'on va le réussir? On n'en sait rien. Parce que c'est toujours un peu aléatoire le slime. Hein. C'est soit tu fais un super truc, soit c'est tout pourri. Donc, bah, c'est parti. C'est parti. On prend notre petite colle transparente Cléopâtre. Ça, c'est bien aussi parce que j'en ai jamais fait avec vous de la transparente. J'ai toujours fait de la blanche. Donc, là, ça va changer. Donc, c'est parti. Fond de colle. Hop, tiens. Voilà la bête. On met vraiment un fond. Là, on voit rien parce que c'est transparent, mais c'est vraiment du fond. Nickel. Okay. Normalement, on n'en a plus besoin. Ensuite, si ça marche. Okay. Ensuite, on va se mettre le colorant. Alors, ce serait peut-être bien qu'on ait un touille-touille. Sinon, on va... Voilà. Déjà, je vais enlever mes bagues parce que sinon, on va se faire avoir. On enlève les bijoux, on évite de s'en mettre partout. On va commencer avec le petit colorant. Alors, moi, j'ai pris des colorants comme ça. C'est des colorants alimentaires. Des petits colorants alimentaires qui viennent de chez Cultura. Il y en a un noir et un blanc. Et du coup, moi j'ai le blanc. Voilà. Chacune, on va en mettre un petit peu, on va saupoudrer. Ouh, c'est beau. Ouh, ça donne un petit effet sympa. Ouais, toi ça fait un peu farine. Ouais. Je vous montre l'effet. C'est un peu gloubitant. Bah, moi on voit pas trop la différence. Bah, toi ça fait farine quoi. Ouais. On a l'impression que t'as posé de la farine au fond. Ouais, c'est clair. Donc, comme ça, on a mis notre colorant. On va pouvoir mélanger déjà un petit peu pour faire une colle noire et une colle blanche. Ensuite, on passe à la suite. Donc, ça va être de la fluffy. Donc, du coup, je mets de la mousse à raser. Si j'avais voulu une normale, j'aurais pris de la lessive. Attention. Pchip, pchip. Ah. On va la tenir différemment. C'est bon. À toi, fluffy bien. Super. Au top. Oui, merci. Tu as bien fluffy. Fluffy pas trop quand même. Ouais. Donc là, on a notre base. Et ensuite, ce qui fait vraiment le mélange et ce qui fait tout, c'est le petit sérum fille. Et c'est ça qu'il va falloir incorporer au fur et à mesure. Là, tu le mets, tu remets. Je suis sur le côté là. Ça fait déjà 3 slimes qu'on essaye et qu'on rate totalement. On est genre archi nul. On était super motivés. J'ai de la colle Cléopâtre, j'ai de la mousse à raser, j'ai tout ce qu'il faut. Et on n'y arrive pas. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire une grosse patouille et que ça allait être très très drôle. Ouh, je saupoudre. Ouh là là, c'est joli, tout c'est noir. Ouh là là, je vais mettre des pompons. Je vais mettre des pompons. Des pompons bleus, des pompons rouges, des pompons violets, des pompons verts. Voilà, un petit vert. Juste avant. À mélanger tout ça, ça va être génial. Ah, des paillettes aussi, c'est très important les paillettes. Même les paillettes, elles me résistent. Tu la sens l'attaque de paillettes là ou pas? Oui, là je le sens bien là. J'arrive pas à ouvrir. Il doit y avoir un film par-dessus, non? Oui. Montrez les paillettes. C'est beau. C'est trop beau. Franchement, si c'était un slime réussi, ce serait trop beau. Est-ce qu'on est prêt à patouiller? Ouais, génial. Alors là, il y a de la lessive, il y a des pompons, il y a du sérum. C'est beau, c'est très très beau. Oh, trop sale. C'est dégueu, c'est totalement dégueu. Si vous voulez faire un slime totalement raté, ben c'est comme ça qu'il faut faire. Stacy. Ah non, 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 non. Stacy. Arrête. Chef de guerre. Oh. Wow. Et sur le mur. Oh, oh. Non. À toi, Stacy. Oh, damn. Du coup. Mon slime n'a toujours pas marché. Du coup, avec la lessive, ça ne fonctionne pas. Ce sera un slime raté, du coup, hein, forcément. Deuxième slime raté. On va rajouter plein de petits pompons. Hop. Un petit peu du coup de paillettes.
Oh, c'est trop mignon. Ah bah s'il avait été réussi, ça aurait été un beau Oui. C'est parti. Oh. On en met partout. Horrible. C'est dégoûtant. Trop sale. Ah bah oui, c'est un slime raté. Voilà, c'est complètement c'est raté. C'est le plus beau des slime ratés. Complètement raté. Après c'est joli, la couleur est belle. La couleur est sympa. Il y avait de l'idée. Ça vient quand même de cette petite dose de lessive de couleur. Très très belle, très très bonne qualité de lessive. Hein. Pour donner une très mauvaise qualité de slime. Forcément. Voilà. Forcément, forcément. Tu nous montres tes jolies mains. Et voilà. Les belles mains pailletées. Franchement, c'est moins pire que la mienne. Hein. Ouais. Moi, mon truc, on dirait qu'il y a un kraken qui est mort là-dedans et qui a enterré ses frères et ses sœurs avec. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas Jojo, quoi. Il y avait quelques petites crottes là qui avaient marché, mais c'était juste quelques crottes. Oh, bébé slime. Ouais, c'est ça. Vas-y, mélange les deux ensemble. Des petites pousses. Attends. Fais-nous un beau mélange là, comme on aime. Voilà. Allez. Une bonne patouillette. Alors, voilà, ça fait quoi? C'est complètement raté, vraiment. Ça fait un mélange de couleurs sympa, hein. Moi qui voulais lui faire réussir son premier slime. Ça ne marche pas. Bah, c'est raté. Là, c'est complètement raté. Du coup, on est dégoûté. Du coup, comment c'est joli ta petite rassoule là qui coule. On a fait un échec, on a fait un échec total. Désolée, hein, vous voyez, on avait pourtant sorti tout le matos, on en avait mis partout sur la table. J'étais prête, je voulais vraiment lui faire découvrir ça. Et non, du coup, je pense qu'on essaiera de lui faire découvrir ça une prochaine fois, quand elle viendra à la maison, avec d'autres ingrédients. Alors, si vous avez des meilleures recettes qui marchent, même mon premier slime, qui était un peu collant, était mieux que celui-là, quoi. Là, j'ai zéro. Il y a des gens, ils en font tous les jours. Hein. Et bah, nous, ça ne fonctionne pas, forcément. Au revoir, petit slime. Salut. Oh, le beau slime raté dans la poubelle. Il est tout au fond, là, tout crado, là. Oui, ça, c'est raté. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à nous encourager pour refaire un slime moins raté. Des gros bisous et à très vite. Salut.